Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans cet épisode 143 du Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Je suis très content de vous retrouver les amis aujourd'hui. J'ai fait une petite pause dans mes tournages d'avance, comme je vous avais expliqué. La voix va très légèrement mieux, maintenant je commence à parler du nez. Bref, voilà, c'est toujours un petit peu la galère, donc j'espère que ça ira. J'ai pu du coup un petit peu regarder les épisodes que j'avais rec. J'ai l'impression que ça va, à peu près, avec un petit montage aux petits oignons, je devrais arriver à vous faire quelque chose d'à peu près propre. Et donc, on est parti aujourd'hui, après pas mal d'épisodes où on a exploré Firon, eh bien on est parti en direction de cette île. Alors je sais que cette île, elle me rend curieux depuis très longtemps, très clairement, parce que ça fait depuis peut-être bientôt 100 épisodes, depuis les épisodes 40, 50, quand on allait vers Cocorico, ou juste après peut-être, où j'avais commencé à voir cette île dans les nuages, et vous m'avez dit non, ça c'est beaucoup plus tard, etc, etc, etc. On y est enfin aujourd'hui, les amis. Donc, j'espère vraiment que cet épisode va vous plaire. Si c'est le cas, bah là, mitraillez-moi cette barre de pouces bleus, les amis. Mitraillez-moi cette barre, je compte sur vous. Explosez-moi le compteur de likes. On vise les 10 000 likes, bien évidemment. Je compte sur vous pour donner des astuces que je verrai à mon retour, bien évidemment, ainsi qu'à vous abonner sans plus tarder. On va rester sur des épisodes d'environ 40-45 minutes, même si je ne m'y suis pas forcément tenu à chaque fois. Je pense qu'on va être d'accord. On va, du coup, pouvoir partir en direction de cette île. Alors, je pense que le mieux, il est de partir par ici, très probablement. On rappelle quand même qu'on a donc eu ce fameux souvenir qui était près du lac Ilia, qui nous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui va se passer au sujet de Rauru, qui est conscient qu'il risque d'y laisser la vie et qui est prêt à se sacrifier. On a également déposé la stèle. Je suis très 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 curieux. Donc vous m'aviez dit de commencer par la queue. Donc encore une fois, je réitère, à moins que je fasse une bêtise. Pour moi, la queue c'est ça. Tac 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 tac. Là il y a la gueule de dragon et là il y a la fumée. Donc on va arriver par ici en espérant que ça passe. On a amélioré notre tenue la dernière fois, donc on est bien. Franchement, on est bien, là, je trouve. Et donc, bah, il n'y a plus qu'à nous rendre ici. Je suis très, très, très curieux de ce qui va se passer. J'en ai aucune idée. Vraiment, là, je suis dans l'interrogation. Honnêtement, je suis vraiment dans l'interrogation. On va essayer de prendre notre temps, de tout bien fouiller. Est-ce qu'on va en apprendre plus sur les sages? J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose encore là-haut, là. Est-ce qu'une cinématique va se déclencher? Est-ce que le ciel va s'assombrir? Un petit peu, on dirait. Est-ce qu'une musique... Les îles du tonnerre. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Oh, il va faire que pleuvoir. Ah ouais, il va faire que pleuvoir ici. Ok. Les îles... Oh là là, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer, l'enfer, l'enfer de tout... Ok, on va prendre pour le moment ça. Est-ce qu'une musique particulière après? Pas de cinématique à l'arrivée. Qu'est-ce que c'est que ces îles? Pourquoi est-ce que ces îles sont si importantes? C'est des îles qui sont très importantes par rapport au Sonao. Est-ce que, comme je le soupçonne, il y a un temple sur cette île? On va voir. Je suis très excité, les amis. Très, 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 très excité. Je sais que je m'extasie pas de fou parce que la voix. Mais je suis très excité à l'idée de découvrir ce qui se cache ici. Est-ce qu'on peut avoir des courroux, des choses? Est-ce qu'en gros, il y a des choses particulières ou c'est juste, entre guillemets, juste une route à suivre pour l'instant? On n'a rien, j'ai l'impression. Ouh là là. J'ai l'impression vraiment que c'est un peu le délire de Narisha dans Skyward Sword, tu sais. T'arrives dans une zone un petit peu galère. Par contre, j'ai l'impression vraiment que ça me donne du stuff. Entre guillemets, du stuff. Est-ce qu'il peut y avoir des choses en dessous? Un sanctuaire, quelque chose? J'ai l'impression qu'on est revenu, vous savez, un petit peu comme à l'époque du premier temple, où on avait toute l'ascension. La musique est cool. Je suis très très curieux. J'ai cru voir un truc là-dessous. Est-ce que je l'ai rêvé? Je
je l'ai peut-être rêvé. Ok. Enfin, quand je dis un truc pas tout en bas, j'ai vu qu'il y avait une lumière tout en bas, mais je parlais pas de ça. En l'occurrence. Alors. Pas forcément une musique de fou pour le moment, c'est dommage. Qu'est-ce qui va se passer sur cette île? Au pire, je pouvais remonter comme ça. Ah oui, alors. Par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon. J'avais la flemme de mettre la tenue. Je suis très concentré, les amis. Je vais pas vous mentir. Qu'est-ce que... Alors, attends. Ok. Il y a peut-être des énigmes ici que là, je perçois pas pour le moment. Ça va, quoi, attirer la foudre? Qu'est-ce que ça fait? Il y a quelque chose en dessous, là. On va aller voir. On a vu qu'il y avait quelque chose. Rien de particulier. J'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs de fou. Je pense que le truc de fou, il est au niveau de la tête. Mais alors, pourquoi me faire passer par là? Wow, wow, wow. Attention quand même. Ok, on va continuer l'exploration. Toujours c'est... Est-ce que je vais en avoir besoin? Je comprends pas l'intérêt de ça, de ces cubes. Il y a un fragment d'étoile. Non, non, là on est focus. Je peux également grimper là. Les gars, je suis très dans la... Oh oh. Je suis très, très, très... concentré. C'est pas grave. On remonte ici. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment? En fait, je comprends pas par rapport à tout ce qu'on a vu et tout. Pour moi, je vous le dis, mais à part... T'en vois rien en plus. À part un temple, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir ici. Parce que... Bah... Ok, enfin, le souvenir nous montre Rauru qui commence à être prêt à accepter son sort. Mais du coup, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici qui se place après le souvenir? Je sais pas. Oh. Ok. Effectivement, c'est quand même, j'ai l'impression, plutôt sympa de faire dans cet ordre-là. Lance de sonium surpuissante, attaque plus 7. Ça, c'est très intéressant. Et on va surtout mettre un objet par puissance d'attaque. Ça, c'est du sonao. Mais je pense qu'on va éviter. Qu'on va mettre bah ça, malheureusement. On va mettre ça. On va prendre ça. Le problème, c'est qu'effectivement... Ouais, on a quand même un truc assez sympa. On pourrait pas avoir, genre, le masque du tonnerre, comme à l'époque. Ce serait quand même beaucoup plus pratique, hein. Non, il tombe pas? Voilà. Ce serait quand même plus pratique si on avait le masque du tonnerre et qu'on savait qu'on... On craint rien. En tout cas, oh, là, j'aime beaucoup. Vraiment, je vous le dis, toute la partie depuis qu'on a terminé les Gerudo est exceptionnelle. Vraiment, je vous le dis, elle est vraiment folle. Et j'aime énormément, évidemment. Alors, attendez, on continue. Alors, si je loupe des choses, j'en suis navré. Et on verra à... On verra à... Ça valait combien, ça? Non, ça va, c'est bon. On verra à corriger tout ça à mon retour, bien évidemment, quand j'aurai vos... Retour, bien sûr. Donc par là-bas, on a été... Ah, elle me fait de l'œil, cette... En vrai, qu'est-ce qui... Non, vas-y, c'est bon. J'allais dire, qu'est-ce qui m'empêcherait de mettre un TP ici? Et puis... mais bon, on va éviter. Par contre, je comprends vraiment pas trop... Alors, c'est immense, hein, déjà. Je comprends pas non plus énormément... Pourquoi c'était si important que j'arrive par ce côté-là? Parce que vraiment, c'était si important, je ne sais pas. Il y a encore des choses au-dessus? Non, pas vraiment. Après, il y a quand même une ambiance, il y a un truc qui se dégage. Hein. Ça, je suis forcé de vous le concéder. Il y a quand même un truc qui se dégage un peu. Et qui me plaît bien. J'ai l'impression que c'est plus si j'arrivais par en bas, machin. J'ai l'impression que c'est plus des plateformes pour me réceptionner. Plus que réellement une zone dans laquelle je vais pouvoir trouver des trucs de fou. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression. On explore tout quand même. On prend notre temps. On n'a pas mis autant de temps à arriver ici pour le faire en 7 minutes chrono et puis au revoir.
On prend notre temps. On explore cette zone. Hop. Ok, alors là par contre ça va commencer à devenir un petit peu plus chaud là. Ok. 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 J'ai cru qu'il fallait récupérer tous les cubes en métaux qu'on voyait depuis le début et les empiler. J'ai eu très peur de ça. Alors on sort où là? Ok. Oh là là. Alors après il y a peut-être des choses là-dedans, mais les choses là-dedans ça va juste me donner du... Ouais, des flèches, tout ça. Alors cela dit... Ah, cela dit, bon... On a pu voir que parfois c'était pas mal d'avoir des flèches. Ici, ok. Je pense pas qu'il y ait des courroux, des trucs comme ça. Au pire, là, c'est pas forcément pour ça qu'on est venu, donc c'est pas très grave. On va pas tout casser. C'est quoi ça? Oh, 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 oh. C'est juste une lumière. Ici, on dirait que c'est un truc qui peut se projeter et me projeter, justement. On dirait bien. On va avancer. Ah là on arrive sur des îles qui sont, j'ai l'impression, un petit peu plus grandes, un petit peu plus sympas, on va dire. Attendez, parce que ça veut pas. Voilà. Toujours rien à l'intérieur ici. Hein. Ah ouais, regardez. Ok, il y a des monstres là-bas. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur peut-être une des îles, non pas du trailer, mais... Vous vous rappelez qu'à l'époque, non, il n'y a rien ici. Des fois, il arrivait dans certains petits temples aériens et tout. Est-ce que c'était pas là? Je pense pas, honnêtement, mais bon. On continue d'explorer. Pour l'instant, on est à, je dirais, à quasiment... Allez, on a fait un tiers, à peu près. On a fait à peu près un tiers. Ça va, ils ont tout prévu. J'étais un petit peu en panique, je peux vous mentir. J'étais en mode non, vraiment. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller là. Ce sera plus simple. Oui, alors directement aller là. Il y a des choses ici pour que je puisse directement aller là? Non. Bon, dans ce cas, c'est pas grave. On va passer d'un peu plus haut. On a quelques petits trucs pour bondir. On va faire ça. Ok. Alors. Pas très très grave en soi ça. Ok. Ça lui fait rien. C'est bon. Ok. Pour l'instant, il se passe rien du tout. J'ai tellement peur de passer à côté d'un truc important. De me dire, mince, mais en fait, il y avait ça et tout. Peut-être que je vais trop lentement et si c'est le cas, je m'en excuse. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est un peu la surprise pour moi aussi, quoi. Hop. Ok. Coffre ici. Alors, il y a quand même ce sentiment de, effectivement, on avance, on trouve des trucs progressivement. Au début, il n'y avait rien, puis après, il y avait des coffres, puis après, maintenant, il y a des ennemis avec des coffres. Il y a quand même ce sentiment de, on progresse gentiment dans la zone. Et ça a l'air de se densifier, effectivement, de plus en plus. Par contre, bon, pas la moindre trace de Korugu, et je pense que c'est pas le but. Il y en a peut-être, en réalité, ou peut-être une fois qu'on aura... Est-ce qu'on va sauver cette zone? Entre guillemets. Ah, regardez, là, c'est de plus en plus... Très peur. C'est de plus en plus rempli là. Alors. Ah ouais, là c'est très grand là. Hop 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 hop. Là ça m'a l'air. Ok, on arrive dans une très grande zone là. Bon. Va falloir fouiller bien comme il faut. Il y a des zones en dessous, mais on a vu que c'était pour rien de très intéressant. Normalement.
Quoique je dis ça, mais on est sûr qu'il n'y a rien là? Pour moi, c'est juste les plateformes pour remonter. Écoutez, on va partir du principe que le jeu est bien fait et qu'il n'y a rien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans pour commencer? On a encore ça. Ça m'agace par contre. Oh merde. Ok, bon. Faut qu'on revienne en arrière. Faut qu'on revienne très légèrement en arrière. Oh oui, d'accord, d'accord. Oui, bon, tout ça. On récupère. Ah, c'est pas loin d'une zone qu'on a fait. Ok, alors attendez, on en a laissé un, ça veut dire. Ça veut dire qu'on en a laissé un petit. Est-ce que je peux. Où est-ce que j'ai laissé mon. Là, sur le lac Ilia, on s'en fout. Hop. Ok. On va dire que ce côté-là. Normalement à peu près fait. Je me disais bien qu'il y avait une douille avec ça, mais... J'avais pas compris tout de suite de quoi il s'agissait. Oh. Il y a quoi plus bas? C'est la même chose. Ok. Alors. Normalement, je pense que c'est... Encore derrière, hein. C'était plus bas. Par où c'était, c'est là, je crois. Je crois que c'est cette île là. Ouais, je l'ai vu. Ok, on va aller voir vite fait. Ouais, je vous dis, voilà. Je pense que le bas, c'est vraiment des zones de rattrapage dans laquelle il n'y a rien. On va partir de ce principe là, en tout cas. Peut-être que je me trompe totalement. Alors, c'est bizarre qu'il n'y ait même pas eu de cinématique ou quoi quand on est arrivé. Ça aurait été bien d'avoir un petit truc. Ah, mais ça servait juste à activer ça en fait. Non? À moins qu'il y ait quand même quelque chose? Oui? Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, très bien. Très bien, très bien, très bien. Hein? Bon, j'ai hâte de faire mes conneries. Ouais, mais bon, imagine en fait, il y avait une vieille carte ou un vœu des sages. Ou... Par contre, la vieille carte qu'on a chopée ici. Il y a, je pense, quand même moyen qu'elle soit sympa. On verra. En fait, c'est peut-être cette île, le temple, entre guillemets. En tout cas, l'épreuve, je sais pas comment dire, mais... Donc, ici, on va dire qu'on a vu. On va aller voir. On va vraiment essayer de faire ça à peu près dans un ordre. Hein. Vérifier qu'il n'y a rien, machin. On va grimper directement, voir. Qu'est-ce qu'on a là-haut? Ok, je pense qu'on est monté trop haut. Non, non, même pas. Ok. Honnêtement, si je dois vous faire une confidence, je pense qu'il y a plus de zones à explorer que de choses à trouver. C'est-à-dire que je pense qu'on va pas non plus trouver un milliard de trucs, c'est juste... Voilà, on m'a densifié ça avec pas mal d'îles. Mais bon... C'est pas non plus... c'est pas non plus full important. Pas tout, en tout cas. Ok, il y a lui quelque part. Cet arbre, par contre, il est bizarre. Cet arbre, il est bizarre. On va essayer d'y grimper. 4, 5. Hop. Rien du tout. Ok. Donc là on aurait plus ou moins terminé parce que là l'île qu'il y a là c'est l'île en bas donc on s'en fout un peu. Donc là après il y aurait... Il me faudrait soit un rail, il y a un golem. Rail des trucs en bas c'est terrible. Est-ce que les trucs en bas sont importants? Je sais pas. Je sais pas du tout si les trucs en bas sont importants, c'est terrible.
Je crois que c'est la zone dans laquelle c'est la zone de la tête. Donc on va éviter d'aller là pour le moment. Ah, comme ça, écoutez, ça me permet de survoler un petit peu. Non. Non, non, non. Faut pas se faire avoir par le... Ça va être chaud. Il faut pas se faire avoir par la carte. Regarde tout ça. Hop. Bon, on a clairement vu qu'il y avait une structure, en tout cas au niveau de la tête, qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est clair et net. Maintenant, ça veut un peu tout et rien dire, on est d'accord, mais... Ok, on a des... Bon, de toute façon, j'imagine que ce que je viens de faire là est complètement débile. Car... J'avais très certainement... Ah, c'est comme dans le temple. J'avais très certainement de quoi... le faire moi-même. Par contre, on va se prendre la foudre avec ça. Ça me fait un peu peur. Ça me fait... Il y a un sanctuaire. Ok. J'ai vraiment peur de me prendre la foudre. Bon, ça va, au pire, on a un TP. Mais si vous pouviez éviter de me mettre la foudre, ça m'arrangerait. Salut. Ok. Alors, arrivé sur une nouvelle île. Donc on a vu qu'il y avait un sanctuaire ici. Ça, on l'a vu, ok. Maintenant, comment la voir? Alors ça, soit par le haut, soit par le bas, on va voir. Ok. C'est quoi ça, par contre? Vous allez pas me la faire, c'est quoi ce... C'est quoi ce coffre un peu en mode... on dirait un piège à, deux, à 2000... à 2000 km, on dirait un piège. C'est un lance-foudre. Ok, donc là je suis ici. Donc là j'ai ça à ma droite. Ok, cette zone-là. Bon, je suis désolé, j'ai peut-être pas la meilleure explo du monde. Et encore que... Alors, pour ça, on va pas s'emmerder, vous savez quoi? J'en ai, c'est pas pour rien. Ok. Alors, ici... J'ai pas l'impression... Ok. Il va me falloir... Oh oh. Vas-y, viens. Ok. Récupérons ça. Ok, donc là c'est la petite sortie. On va récupérer tout ça. Pourquoi on me donne autant... Je comprends pas pourquoi on me donne autant de trucs. Clé de sonium. Ah, pourquoi on me donne autant de trucs comme ça? Ça, c'est très bizarre quand même. De cubes en métaux, je parle. Là-dedans, qu'avons-nous? En tout cas, c'est une zone bien sympa à explorer. Il faut l'explorer, très clairement. Très clairement, il faut l'explorer ici. J'ai l'impression qu'on n'a pas grand chose. Ok. Ok, donc j'ai l'impression que cette zone, elle est à peu près ok, voilà. Il n'y a pas forcément beaucoup plus. Ok. Ensuite, on était là. Ok, alors, le problème... Écoutez. On va descendre se faire le Golemax maintenant. Golemax ultime. Ok, vas-y. On va le faire bien comme il faut. Il est où son truc? Il est où? Ok. Dommage. Ah! C'est terrible. Ok. Viens.
Raté. Ok. Vas-y. Go. On y va. Ok, c'est pas mal. Allez, plus grand chose. Là. Ok. Là. Allez. C'est bon. Ok. Qu'avons-nous? Outre tout ça. Bien sûr. Ouais. On prend tout ça. Il y a le coffre qui est là-bas. Oh, ça, ça devrait faire. Ah, juste un plus 5. Ok, est-ce qu'on a quelque chose ici? On arrive bientôt vers, vers la gueule. Ouais, ok. On a vraiment pas mal de choses intéressantes. Ça se trouve, il y a 3 vieilles cartes à trouver ici. Et ça va me donner une tenue précise de cette zone. Je sais pas, je m'en rends pas compte. Il y a aussi là-bas. Tiens, regarde, alors attends. On a un petit peu avancé, nous, du coup, dans cette histoire. Ça, c'est parfait. Ouais, c'est vrai que le réinitialiser, parfois, il marche bien. On va. Ok. Voilà, on connaît maintenant la technique. Je vais venir récupérer ça. Parce que là, après, on va venir voir, mais après, attendez, 2 minutes. Hop là. Ok. Allons-y. Ça marche. Ok. Donc là, on revient vers là où on était, mais... dans une zone où on n'était pas vraiment allé. Est-ce que ça vaut le coup de venir là? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à venir ici en fait? Je comprends pas bien. C'est même pas là qu'est le... ouais, j'ai un peu du mal à comprendre, c'est même pas là qu'est le sanctuaire. On l'a vu, le sanctuaire il est ailleurs. D'ailleurs, pour y accéder au sanctuaire, soit par-dessus, soit, et ça m'étonnerait pas, plutôt par en dessous. On va dire ok, tac tac tac. Ouais, toutes ces zones là, on est bon. Et là, c'est la fameuse grande zone haute. Ok, donc on a plus ou moins. Yes. Si, par là-bas. On a plus ou moins fait le tour de cette grande zone. Il me manque que la zone avec le sanctuaire et ensuite la tête, plus ou moins. On va voir. Voilà, on est de retour là. Alors, le sanctuaire. Soit, en fait, il faut que j'y passe par en dessous, ce qui m'étonnerait qu'à moitié. Non. Pas possible. Donc, si on n'y passe pas par en dessous, il n'y a pas 150 autres chemins. Ok. Oh, il y a pas mal de choses ici. Ok. Donc, tout ça, on a vu. Hein. Tac, tac, tac. Là, il me reste ça. Tac, tac, tac. Je descends et j'arrive à la zone. Ok. Alors, attendez. Je vais activer ça, déjà, pour commencer. Oui. Type. Alors. Qu'avons-nous là-dedans? Classique. Plus ou moins, ok. Lance-foudre, tata. Beaucoup de lance-foudre. Alors, je veux pas... je veux pas dire, mais beaucoup de lance-foudre. Ici, j'ai rien pour ouvrir. C'est en dessous, hein, globalement, le sanctuaire. Par là, peut-être. Oh, wow. Salut. En vrai, de vrai, vous savez quoi? Je pense à ce tente. Ok. Pour éviter, parce que bon, ça prend 1000 plombes à chaque fois. Batterie haute capacité. On se casse par là.
Comment je rentre dans le sanctuaire? Ça me permet... Ok, je peux pas tourner forcément. Là-haut, je dirais. C'est la seule zone où... Oh la vache. Ce qui me dérange, c'est que... Ah, attends, on va faire un truc tout de suite. Ça, si on se foire... Est-ce qu'il n'y a pas une entrée par là? Ah, si, si, j'avais raison. Non, non, j'avais raison. J'ai juste mal regardé la première fois. Ouais, alors, doucement quand même. En fait, il faut... il faut passer... Attendez... Faut passer à travers. Et j'imagine que c'est une bénédiction de Raoru, de toute façon. Faut pas non plus... Faut pas non plus être bien... bien sorcier. Ah, quoi que je dis ça, mais bon. Ça nous prend du temps, hein. Eh. Alors. Ouais, bah c'est au moment où je passe là-dessous. Ok. Vas-y, go. Alors. Vous êtes prêts? Ok, voyons voir. Je crois que j'ai été... Je l'ai fait trop tôt, je crois que je l'ai fait... Non, c'est bon. Nice. Est-ce que j'avais un moyen de venir là? Je crois pas. Non. J'aime vraiment beaucoup cette zone parce que... Bah, c'est un petit peu différent, là, les îles qu'on a, elles sont un petit peu différentes. Du coup, je les trouve très cool. Très cool, vraiment. J'aime beaucoup ce que je vois. Ouais. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'on voit. Alors, dites-moi que c'est une bénédiction de Raoru. Même pas... Ah, c'est une épreuve de combat. Ouf. Combat des armées sous tension. Ok, alors... Ok. En dark. Où est-ce qu'il y a encore des types? Continue d'avancer discrètement. Ok. Le problème c'est que... Oh. Il va me faire très mal. Ok. 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 Oh. Ok. Je lui ai pris tout ce qui était à lui, normalement c'est bon. Je crois que c'est le dernier, c'est le plus fort en fait lui. C'est bon, il m'en reste un tout petit qui doit pas être bien complexe à abattre. First try là, on va faire. Bien. Ah. Il devrait pas être trop compliqué.
Ok. Go. Et bon. Ok. Alors, oh, regardez ce qu'il y avait là-bas, j'avais pas vu. Alors, voyons voir. Ça s'ouvre et le coffre est de l'autre côté. Parfait. Ok. Bon. Parfait, parfait, parfait. Hop. J'arrive pas à savoir si je suis rapide ou si je suis long sur cette île, honnêtement, les amis. Je pense que pour certains, je suis très long. Et pour d'autres, bah, je trouve bien. Et mine de rien, voilà, on a fait un sanctuaire, on a trouvé un vœu des sages, de vieilles cartes. Donc, il y avait quand même des choses à récupérer, quoi. Je veux dire, c'est pas, on n'est pas non plus dans la, dans le délire en mode ouais, il y a sûrement rien. Non, non. Il y a quand même des choses intéressantes. Lueur bienfaisante, ok. Franchement, on a bien fait. En plus, on s'est remis à niveau, niveau stuff. On s'est remis des cœurs. On a boosté tous nos sages. On n'est pas trop mal. Vraiment, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, du coup, toute cette zone-là, plus ou moins, est bonne. Il va me falloir le petit virage, là. Là, j'imagine que, ouais, ça ne va pas passer d'ici. C'est par là-haut. De toute façon, on voit à chaque fois les zones concernées. On les voit très vite. Voilà, on va passer ici. Très bien. Donc, on va revenir sur la très... Je ne sais pas si on va pouvoir tout voir aujourd'hui, honnêtement. Je pense qu'il va y avoir un petit suspense là, je vais pas vous mentir. Je pense que ça va partir en petit suspense. Est-ce que je peux grimper? Non, on va éviter de faire ce genre de bêtises. Hop là, voilà. Alors. Je pense honnêtement pas que ça puisse me propulser jusqu'à là-haut. Attends, mais c'est dans quel sens que ça part? Par là-bas. Là. Voilà. On va éviter de se... Non, on ne va pas aussi haut, c'est vrai, mais on avance un petit peu quand même. Ok, alors là, un Korogu ça? Non. Ici, j'ai l'impression pas grand chose ici. On va aller explorer juste devant là. Alors, il faut refaire pareil à chaque fois. Ok. On commence à avoir le... On commence à avoir le coup de main de ça. Ok. Alors, est-ce qu'on a... Ah, déjà, j'ai ça. Ça, dans tous les cas... Bah, je pense d'ailleurs que c'est ça qu'il veut que je fasse. Hein. Alors, au pire, on va le faire à ma manière. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a juste ce coffre. Oh, vous avez vu que ça, c'est update quand je suis arrivé? Je sais pas si c'est normal. J'aime beaucoup avec l'ambiance nuit et tout, c'est très stylé. Arc de Sonium, ok. Ils sont quand même en train de me stuffer comme des bâtards, on est d'accord? J'ai un peu peur de ce qu'il y a au bout. Ok. Très bien, très bien. Donc toute cette partie-là... On va dire good. Donc là, il va me rester l'île volante là-bas, mais je sais pas trop comment on l'a fait, celle-là. Et ensuite, là-bas, ouais. Attends, parce qu'il y a peut-être des choses en dessous, là, non? Y a rien? Y a rien du tout. Bon, on va dire qu'il y a rien du tout, mais c'est vrai que c'est quand même... Ça interpelle. J'ai pas d'endroit où grimper. Parce que là, je pense que là, malheureusement... Là-bas? Non, ça suffit pas. On va retenter avec ça, mais on est en train de... Je pense pas que ça passe.
Oh, attends. Hop, hop, hop. C'est quoi ça? Non, mais attendez, mais... Il y a des trucs dans tous les sens. C'est terrible. Cette île, elle est blindée. Ok. Donc ça, c'est la zone qui nous mène à ici, ouais. Ok, donc je peux pas forcément... Enfin, je vais être obligé de me changer, là, pour le coup. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Vraiment, je suis très très intrigué de ce qu'il y a au bout. Hein. Je suis quand même assez intrigué. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'utilité? Je comprends pas. À moins qu'il y ait un truc ailleurs. Parce que là, honnêtement, plus bas, non. C'est évident qu'il y a un truc par là. On va essayer de remonter par là, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté, déjà pour franchir la grille, mais pas seulement. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous comprenez quelque chose, où est-ce qu'il est en train de se passer là? Pourquoi il fallait que... Il devait y avoir un truc que je loupe ici. Au niveau de cette cage, parce que là c'est quand même... sacrément bizarre. Là, il y a un ennemi, ouais. Ah, déjà, on a de quoi... On a de quoi enfin se... Je crois grimper sur le... sur l'île là-bas. C'est via ça, on dirait. Là, on est sûr d'avoir un oubli ici? Ah, si, 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 voilà. Je me disais bien, ok, il y a au moins ça. Au moins. On a slide sur le truc en mode, let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, Ouais, 16 là. Ok. Ok, et du coup on va essayer. Je dis bien essayer. Voilà. Et ça, normalement, ça devrait me mener ici. Et ensuite, on sera... Un sanctuaire et tout, quand même. Y a rien là-dessous? Ah, quel idiot. Non, il n'y avait rien. J'ai envie de crever. Ah, comment je remonte? J'ai fait une belle connerie, là. C'était pas du tout ça que je voulais faire, mais ok. Hop. Non. Ok. Ah, je suis vraiment dans le nuage, quoi. Ok, alors là, par contre, le problème que je vais avoir ici, c'est que ça va m'électrifier un petit peu, je pense. Non, c'est bon, ça passe. Ouah, mais... Quel est cet endroit? C'est un temple. C'est vraiment un temple. Lance-foudre, encore une fois, mais quoi? On a vu qu'en bas, au niveau de la tête, il y avait l'air d'y avoir quelque chose, quand même. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Genre, y a pas de... C'est-à-dire que la fameuse zone, elle est là. Et elle nous... Par contre, ça, c'est... Chiron, ça, on est d'accord. Oui, ça, c'est les grandes cascades derrière, rien à voir. Non, c'est juste là en dessous, ok. Bon, vu que je sais pas ce qui va se passer, je suis désolé. Mais tant ça va prendre 2 minutes, comme tant j'en ai pour un quart d'heure. Comme je vous ai dit, les épisodes sont un peu plus courts. On va, je pense, se laisser en beau suspense ici. Ce qui est mine de rien est plutôt,
est plutôt pas mal comme suspense, je trouve. Et du coup, il me restera un dernier épisode à tourner avant mon retour. Du coup, je découvrirai quand même ce qu'il se trame là-dedans. Je serai au courant. Il n'y a pas de souci au moment où je reviendrai. Mais donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Regardez-moi cette ambiance complètement folle. J'ai hâte de voir ce qui se cache en dessous. J'ai hâte de voir enfin ce qu'il va y avoir. Cet épisode était calme, très axé sur l'exploration. Mais en même temps, je trouve super intéressant parce qu'on a trouvé plein de choses. Et puis surtout, il y a effectivement une atmosphère très particulière qui se dégage d'ici. Désolé si certains trouvaient que j'étais peut-être trop lent. D'autres, au contraire, trop rapide. J'ai peut-être loupé des choses. N'hésitez pas à me le mettre dans les astuces, bien évidemment. Je compte sur vous pour mitrailler cette barre de likes. Les amis, on vise les 10 000 likes. Je compte sur vous, bien sûr, pour vous abonner. Et on se retrouve demain pour l'épisode 144. Dans lequel on plonge et on voit ce qui se cache, enfin, avec les sauts d'eau. C'était Sif, portez-vous bien. Ciao.